C'est le retour des petites vidéos. Voilà, je suis bien arrivée en Roumanie. Je suis arrivée dans mon hostel qui est super sympa. C'est très spartiate, mais ça m'a coûté 11 balles. Donc voilà, ça fait la différence. J'ai vraiment pris. Non, voilà, il y a tout ce qu'il faut en fait. Un lit, enfin, moi j'ai juste un lit, une toilette, une douche. C'est bon, je ne prends pas la tête. Et pour un jour, c'est très bien. Donc là, je suis arrivée à Craiova et puis il est déjà tard, il vient presque 21h heure locale, sachant que j'ai une heure de plus que en Europe, enfin normal. Et du coup, je vais faire un petit tour dans Craiova pour un peu de temps que je vais ici. Et puis demain, on prend la route. Voilà. Hello, hello! Alors, du coup, on est le lundi 8 juillet et ça y est, c'est parti. Donc, voilà, j'ai dormi dans le petit hostel qui était assez amusant parce qu'il était tenu par des Italiens qui parlaient pas ni roumain, ni. Enfin, quoi, rien d'autre qu'italien. Donc, c'était assez drôle. Mais finalement, c'est mieux que ça parle italien que roumain. Même si je comprends quelques mots en roumain, c'est pas encore la folie. Donc, voilà. Alors, a priori, les roumains sont très bruts, mais pas dans le sens violent, bruts dans le sens nature-peinture. On va dire ça comme ça. Très 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 gentil, vraiment très gentil. Toujours poser des questions, demander s'il n'y a pas besoin d'aide et tout ça. Donc vraiment très gentil, très respectueux. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Voilà, et puis du coup là je me mets en route. Je vais aller dans un parc naturel. Alors je vais attendre d'être sur place pour voir le nom. Parce que dans le guide, il l'appelle le parc des portes de fer. Et sur Google, parfois il l'appelle un sens, parfois l'autre, donc je sais pas trop. Donc voilà, mais en gros, je vais aller voir un lagon. Donc voilà, là, ça me fait quelques heures de route, ça me fait presque 5 heures de route. Donc je vais y aller mollo, je vais m'arrêter sur le bord. Voilà, mais je vais y aller tranquillou. C'est une des plus longues routes que je vais faire d'entrée, on va dire. Donc voilà, du coup, c'est parti. Pause sur la route. J'en ai profité pour faire le plein parce que j'ai reçu une voiture avec un demi-plein et je suis arrivée et ils m'ont dit bah non, on prend pas la carte. J'étais la merde, j'ai quasi rien en lay parce que j'ai quasi rien pris. Il était marqué dans le guide qu'on pouvait tout payer par carte, mais fait, ça fait déjà deux trucs que je dois payer avec du cash et j'avais pas pris beaucoup. Du coup, il me restait 45 lay. Sachant que 1 euro c'est 4,5 lei, ça veut dire 10 balles quoi. Je me suis dit putain, mais je vais rien faire avec ça. Et en fait, bah, j'ai un demi-plein à nouveau. Donc ça veut dire qu'un plein complet ça fait 20 euros. Donc bon, ça va, hein. Il y a pire. Donc voilà, bah, du coup, je suis toujours sur la route. Il me reste une bonne centaine de kilomètres. C'est plutôt sympa. Il fait 23 degrés donc ça se rafraîchit par rapport au centre. Enfin. Quand je suis partie, enfin je suis partie à 8h du matin et à 8h il faisait 25 de l'autre côté et là il fait 23 et il est 11h30. Donc bon, enfin voilà. Mais tout se passe bien, la route se passe bien et puis voilà, le décor est pas dégueu. Bisous. Voilà, après 4h30 de route, ça y est, je suis bien arrivée. Du coup, bah, ça y est, je vais aller marcher, je vais voir ça. J'entends, il y a pas mal de vent. Il doit faire 21 degrés donc bah, je suis en short donc je vais mettre un bon gros pull pour être certaine de ne pas avoir froid et bien sûr je vous emmène avec moi. Hello, bon du coup je vous fais une petite update par rapport aux jeunes. Il est 13h15 donc ça fait déjà 15h que j'ai pas mangé. J'ai mangé un truc vite fait hier soir mais pas grand chose. Ça va, j'ai un peu faim mais ça va, en vrai ça va. Je vais juste après ma balade aller chercher plein d'eau pour me blinder l'estomac d'eau parce que j'ai pas beaucoup d'eau avec moi et que du coup bah, ça laisse plus de place à la fin. Voilà.
Hello, bon, je vous fais une petite update. Il est 20h et je viens seulement de boire. C'était un peu la merde parce que j'avais une petite bouteille de 50 centilitres ce matin et impossible de trouver. Enfin, en fait, dans la campagne, il n'y a rien qui se paye par carte, il n'y a rien, y compris les machines, les stations essence. Donc, c'est une galère sans nom en fait. Donc voilà, en gros, j'avais retiré 100 lei, donc ça fait pas grand chose, hein, ça fait un peu plus de 20 euros. J'ai retiré 100 lei pour pouvoir payer ma chambre, parce que pareil, je pensais pouvoir payer par carte. Non. Et puis sur la route, pas d'essence, je vais à une station, pas de carte. Je dis, ok, bon, bah heureusement, il me restait 45 lei. Donc voilà, mais après, il me restait 0 lei et j'ai pas trouvé une seule banque. On dirait les petits villages dans la campagne sicilienne, là où il n'y a rien du tout à part de vaches. Donc c'était un peu compliqué quoi. Donc pas à boire. Et là, je me retrouvais à nouveau avec un plein vide parce que j'ai fait un demi-plein et j'ai beaucoup roulé aujourd'hui. Là, j'ai encore une centaine de kilomètres pour pouvoir aller à l'hôtel. Et alléluia, je suis passée dans une ville, j'ai vu un Lidl, je me suis dit, ah mais trop bien, enfin Lidl c'est sûr, ils doivent avoir au moins de quoi prendre la carte pour que je puisse m'acheter de l'eau pour boire, parce que j'avais rien bu en 12 heures, j'avais bu 50 centilitres quoi. Et juste derrière, alléluia, une banque. Donc voilà, là j'ai tiré 100 euros. Je pense que là, avec ça, je peux aller à l'hôtel 5 étoiles tranquille pendant 2 semaines. J'exagère, mais voilà, bref, là j'ai fait le plein. Je me sens plus sereine comme ça. Et puis, petite update du coup de la première journée de jeûne, même si elle n'est pas encore finie. Franchement, ça va. En vrai, ça va. Le fait d'avoir un estomac vide avec de l'eau en plus, ça n'aide pas. Mais là, j'ai bu et je pense qu'une journée où je bois correctement, ça va aider énormément. Mais franchement, ça va. J'ai une petite faim. Mais comme... je pourrais avoir la faim vers 4h quoi. Donc franchement ça va. C'est plutôt tranquille pour une première journée. Ça va bientôt faire dans 1h30, 1h, 1h30. Ça fera 24h que j'ai pas à manger. J'ai pas de mal à la tête comme ils ont dit qu'on pouvait avoir. Je me sens pas particulièrement. Enfin si, je me sens un peu. J'ai dû un peu escalader et j'avais le cœur qui battait à la chamade. Mais à part ça, franchement, ça va super bien. Je me sens pas fatiguée, je me sens pas. Enfin, je me sens bien. Donc, sachant qu'il paraît que ce sont les 3 voire 4 premiers jours sur les 7 qui sont difficiles, 3 ou 4, ça dépend des gens en fait. J'ai bon espoir. Donc, je me dis que c'est pas mal parti. Ça fait déjà 1 sur. Allez, mettons 4 en cas positif, négatif plutôt. Ça fait déjà 25% d'accompli. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, bon, bref, je continue la route. Et puis là, je me rends direction l'hôtel pour me poser. Et puis demain, on attaque les châteaux en Transylvanie. Thank you.